Bonjour, bonsoir. Attends. Une chose qui me... Ouais, ça tourne. Yeah, let's go! Bonjour, bonsoir à tous. Qu'est-ce que ça me fait plaisir de vous revoir, dites donc. Aujourd'hui, j'ai un brave client qui est là. Bonjour, salut. Coucou, dans le fond. Qui a eu l'extrême gentillesse de me prêter ça? Oh putain! Oh mon dieu! C'est Z Scorpion Evo et c'est le 3S1. Voilà. S'il le dit, il n'y a aucun problème. C'est super sexy comme fringue, j'avoue. C'est super sexy, jamais testé, mais écoutez, on va voir. Hein. En plus, il a l'air d'être relativement bien équipé, donc j'ai plein de chargeurs. Ça c'est... Putain, j'aime bien les gens qui... j'aime bien les gens qui me prêtent tout, comme ça, c'est pratique. Bon, alors, aujourd'hui, donc, on va tirer de la Cellier Bello, tic tic tic, 124 grains, ouais, classique, ultra classique. Allez, let's go, on va commencer avec les tout petits chargeurs. Du coup, c'est moche, un peu. Faut admettre, c'est un peu moche. Bon, allez. Je change ce machin. Alors... oui, il faut peut-être que j'allume ça, c'est mieux. Allez, c'est parti. Alors, c'est vrai que c'est vachement court, on est un peu vaché dessus, hein. Putain. La crosse, peut-être le dépier, t'as 3 crans. Hum? La crosse, 3 crans. Il y a 3 crans. Ah, c'est pratique, ça. J'ai rien dit. On est super bien dessus, en fait. Oh, la queue de détente est... Elle a été changée, c'est pas la queue de détente d'origine. Ah ouais, et les arbis, hein. Ouh, putain. Ah ouais, ok. Ah c'est... Ouais, c'est rigolo la vache, c'est extrêmement sec hein, pour un 9-19. Ah ouais. D'accord, on a l'impression d'une énorme masse qui recule sur vraiment très peu. Ah ouais, c'est... Waouh. Ah, c'est rigolo. Bon, alors c'est sûr, ça sent un peu le pneu, hein, c'est... Bon. Donc là, on passe sur des chargeurs de 20. Tout de suite, ça a un peu une autre tronche. Super bonne mécanique, ça faut admettre. Je ne vois plus rien. D'accord. Bon, les... Ouais. Les commandes, c'est pas ce que je connais de plus pratique, mais on va essayer à gauche. Oui. Ça tamponne un peu quand même, hein, mine de rien. Oh. Pour un 9-19, ça. Ouais, ça. Ça tamponne quand même un peu, il me reste qu'une. Il m'en reste pas, en fait. Bon. Très bien. Oui. Non, j'aime bien. C'est un peu sec, c'est un peu vif, hein, franchement, pour un 9-19, mais. Bon, chargeur couplé, évidemment, le chargeur des airsofters. Allez, let's go, on va faire un petit rapide, on va s'éclater. Ouais. Ouais, ça peut être un peu particulier à mettre en batterie quand même, hein. Ok, non, d'accord. C'est rigolo. Non, franchement, c'est rigolo. Bon, d'accord, alors c'est vraiment pas le genre d'arme qu'on voit très souvent, faut admettre. Plus 1 pour la crosse 3 positions, si j'aime bien. C'est bien quand les marques se foutent pas de ta gueule au niveau, est-ce que je suis grand, est-ce que je suis petit, est-ce que je suis nain, est-ce que je suis... bon, voilà. C'est marrant, mais ça kick un peu... Pour le calibre, je trouve. C'est assez étonnant, surtout que bon, on a un peu de poids dans les mains, quoi. Hein, c'est faut dire ce qu'il y a. On est particulièrement bien dessus. En plus, donc là, qu'est-ce que t'as monté dessus? Un Crossfire? Mm-hmm. Ah ouais, c'est rigolo. Crossfire de chez Vortex, donc. On a accès aux organes de visée d'origine qui sont bon, bien. Il y a deux énormes oreilles striées en plus, donc on risque pas de confondre. Ça, c'est pratique, ça, j'aime bien.
Ah putain, ces aides, ils savent faire des machines. Bah ma foi, écoutez, j'apprécie. Merci beaucoup. Ouais. C'est super cool. Franchement, moi j'aime bien, je vous dis pas que j'en achèterai un, mais j'aime bien. Bon voilà, et bah écoutez, amusez-vous bien, je vous dis à très bientôt pour un prochain trèfle. Mangez des légumes, buvez de l'eau, ciao.